Le tableau de l'Annonciation avait une sorte d'évidence pour moi, parce que c'est un sujet, lui, qui est extrêmement traité à cette époque-là, dans une forme de musique qui est très particulière, qui s'appelle les laudes, qui est donc de la musique religieuse qui n'est pas à destination de la liturgie, mais à la destination de dévotion domestique. C'est-à-dire une musique qui n'est pas entendue dans les églises, comme le sont les messes ou les motets, mais une musique qui est pratiquée dans les palais, une musique qui est pratiquée dans les confréries, une musique qui est pratiquée chez soi et qui est une musique de dévotion pour la Vierge. Dans ce tableau, il y a en même temps une émotion incroyable. Il y a ce silence entre l'ange qui annonce et la Vierge qui apprend la nouvelle et qui est perturbée par cette nouvelle, bien sûr. Je pense qu'on a vraiment trouvé la musique qui correspondait parfaitement à ce moment-là.